Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 23. Psaume chapitre 23, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre tes merveilles, car sa miséricorde dure. Pour ce privilège que nous avons de pouvoir t'avoir. Béni soit ton Seigneur encore de nous avoir conduits, Père, éclairés encore davantage au travers des chants et des cantiques, des témoignages, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous démontrant que tu es le Dieu vivant et démontrant que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui conduit ton peuple, ce toi. C'est lui qui nourrit ton peuple, ce toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et tu en prends soin. Et dans tout le moindre détail, mon Sauveur, nous approchons de toi avec vraiment assurance, mon Seigneur, et avec aussi reconnaissance encore davantage, mon roi, pour ce que tu es, mon bénémoine Père Saint, et que nous croyons aussi que tu existes, Seigneur, et que tu es réellement celui qui suscite et perturbe la foi et l'amène aussi à la perfection, mon Sauveur. Béni sois-tu encore de nous avoir rassemblés, perturbe ce matin, pour que réellement nous soyons un peuple uni et saint pour ta gloire, afin que toi, tu prennes aussi plaisir à pouvoir aussi nous bénir, Père. Nous sommes à toi et nous voulons vraiment aussi toujours être à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, afin de marcher dans ce bas monde avec certitude, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce que toi, tu fais de merveilles, mon roi. Nous l'avons aussi entendu, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es un appui certain pour nous et un secours qui ne pourra jamais nous manquer au temps de la détresse, mon Sauveur. Oh Dieu, tu es toujours là pour nous secourir, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour prendre soin de nous, mon bénémoine Père. Et nous croyons en toi, mon Sauveur
sois béni. Merci pour le psaume, merci aussi pour le chant et les cantiques qui ont été chantés, Père. Oh Dieu, merci aussi pour l'adoration, mon bénémoine Patrissant, parce que nous sommes venus réellement aussi pour pouvoir te louer, Seigneur, et chanter sans décision pour ta gloire, mon bénémoine Patrissant, aussi te louer, t'exalter pour tes hauts faits, Seigneur, parce que le nombre en est tellement si grand. Bénis ton peuple, mon bénémoine Patrissant, qui est ici aussi rassemblé en cet endroit, et c'est aussi là qui sont aussi à connexion dans différents pays, mon bénémoine Père Saint-Dieu, tu en suscites encore davantage, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qui viennent aussi écouter ta parole à toi, mon sauveur, qui soit béni, Père Saint-Dieu, et récompensé aussi parce que tu es le Dieu qui nourrit encore ta parole, qui te révèle encore davantage auprès de ceux qui s'approchent aussi de toi, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père. Merci pour les psaumes, nous t'avons ainsi demandé, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de ce privilège que nous avons aux yeux du Seigneur de pouvoir nous retrouver encore ensemble pour pouvoir l'adorer et surtout aussi pour qu'il nous soutienne aussi, qu'il agisse aussi dans notre vie, qu'il nous relève davantage et qu'il nous donne aussi la force et la santé aussi. Et surtout qu'il nous remplisse davantage. Nous avons besoin de ce Dieu qui témoigne qu'il est vraiment le Dieu vivant, pour que réellement aussi il puisse faire vivre aussi nos corps aussi, qu'il dépose aussi sa semence et que son Esprit Saint soit aussi à nous pour que nous puissions être aussi comme il a dit, marcher selon sa volonté. Comme nous le disons, que chaque jour qui passe ne se ressemble pas, nous savons aussi que le Seigneur notre Dieu, il ne change pas sa façon de pouvoir faire. C'est que ce qu'il a déclaré, il veille à ce que sa parole puisse vraiment avancer comme il a dit et s'accomplir certainement dans le moindre détail selon ce qu'il a donc annoncé. C'est cela aussi qu'il a rappelé aussi au prophète Jérémie en lui disant que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Nous avons donc l'assurance effectivement en rapport avec ce que le Seigneur aurait déclaré, qu'effectivement comme il a fait, comme il a eu à pouvoir le dire, la chose s'accomplira certainement comme il l'a dit. Donc nous sommes de ceux-là aussi qui s'accrochent par la foi à tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Comme Samuel dans les Saintes Écritures, il nous a dit qu'il ne laissa tomber aucune parole de l'Éternel. Nous comptons sur la miséricorde et la grâce de notre Dieu pour qu'il nous donne aussi ce privilège de pouvoir réellement nous apporter Seigneur, pour que cette parole puisse aussi trouver sa place en nous et qu'elle puisse vraiment aussi s'enraciner. Et aussi, comme la Bible le dit, le Seigneur l'a dit aussi, que nous puissions donc porter donc du fruit. Il a pourvu à toutes choses, effectivement, pour que nous ne puissions pas être oisifs ni stériles comme nous l'avons pu l'entendre, mais que nous puissions porter beaucoup de fruits. C'est comme cela que le Seigneur notre Dieu sera donc honoré lorsque réellement pouvons porter donc du fruit et que le monde pourra voir que, comme la Bible l'a dit, s'il consent donner sa vie, il verra donc une postérité, il prolongera donc ses jours. C'est ce que le Seigneur notre Dieu veut, ce qu'il fait, et c'est sa volonté donc parfaite qu'il puisse prolonger ses jours dans ses rachetés. C'est pour cela qu'il a donné sa vie pour que nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi recevoir cette vie réellement, comme la Bible l'a fait savoir, que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné donc le pouvoir de devenir donc enfant de Dieu. Donc nous disons que ce n'est pas historique, mais c'est quelque chose de réel. Comme la Bible l'a fait savoir que Dieu s'est fait chair. Donc Dieu est devenu un homme, afin que l'homme devienne Dieu. Donc nous comprenons qu'effectivement que cette voie qui a été tracée par le Seigneur, personne ne peut arriver à pouvoir donc s'y interposer pour qu'il n'atteigne pas effectivement aussi ce qu'il a eu à pouvoir aussi prendre comme décision. Donc nous devons nous réjouir, nous, en tant que peuple de Dieu et fils de Dieu, de ce que nous sommes, ce que Dieu a voulu que nous puissions être par les biais de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il ne pourra pas ne pas réussir parce que c'est
comme le Seigneur nous l'a fait savoir que c'est au travers de lui que nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est-à-dire au travers de Jésus-Christ, par les sacrifices qu'il a donc accomplis. Et là, nous étant dedans aussi, le Seigneur, notre Dieu, amènera donc à la perfection toutes choses. Nous réalisons aussi qu'effectivement, que nous sommes dans un temps aussi où il y a beaucoup de bouleversements aussi, et comme nous pouvons le voir aussi, que les hommes ne savent plus tellement dans quelle direction, dans quelle orientation, effectivement, et parce qu'ils prennent des décisions, effectivement, en ayant recours aussi aux hommes, parce que ben, nous savons que tout homme est faillible. Peu importe les diplômes, le doctorat ou les immunologies qu'ils peuvent avoir, effectivement, Dieu a pu les exposer, en fait, pour montrer qu'effectivement, là où l'homme met son cœur, effectivement, et il a mis l'accent pour montrer la capacité qu'il peut avoir, l'intelligence qu'il peut avoir pour pouvoir expliquer ceci et cela, alors Dieu l'a confondu, en fait. Dieu demeure toujours Dieu. Il n'y a pas de variation en lui, effectivement. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas dire, ah, je me suis trompé pour encore faire les calculs. Non, il ne fait pas les calculs. Lui, il dit. C'est ça l'autorité de notre Dieu. Nous n'adorons pas un petit Dieu. Non, nous ne servons pas un Dieu incapable. Non, nous servons un Dieu qui est tout puissant. C'est cela ce que nous devons comprendre et réaliser. Nous devons marcher dans notre vie sans peur. Oui, sans que quelque chose ne puisse effectivement aussi nous affaiblir dans quoi que ce soit, mais que nous puissions toujours être, voyez, fortifiés dans notre foi, être reconnaissants à ce que Dieu du ciel nous a connus, et c'est Dieu aussi nous a prouvé qu'il nous connaît aussi. Marchant comme un peuple qui connaît effectivement de qui il vient et à qui il appartient aussi également. Nous tournons, nous disons toujours souvent que nous sommes un peuple particulier. Ça, ceux qui sont de Dieu peuvent comprendre effectivement ce qui veut dire cette particularité que nous revêtons. Parce que nous pouvons regarder, comme la Bible nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Ce qui veut dire qu'effectivement, que, étant un sacerdoce royal, nous sommes donc entre les mains de celui qui a donné naissance à toutes choses, effectivement. Dans les cieux et sur la terre. Et nous remercions Dieu pour son choix qu'il a eu à pouvoir faire. Et quand nous pouvons regarder aussi sa parole et voir aussi effectivement comment Dieu fait les choses, nous disons Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié. Et que quand nous chantons vraiment ton nom et que nous disons qu'il est le plus beau parmi les milliers et qu'il est au-dessus de tout nom, nous ne répétons pas une formule en fait. Et nous avons donc apprécié effectivement aussi sa grandeur et sa valeur aussi dans notre vie. Jamais le Seigneur ne pourra laisser sa propre postérité dans l'ignorance en fait. C'est merveilleux, vous savez, de pouvoir connaître Dieu dans sa divinité, en fait. Et de pouvoir aussi être saisi par sa façon de pouvoir faire les choses et son ouverture, effectivement, à l'égard des hommes. La femme samaritaine, elle était une femme heureuse. C'est quand même extraordinaire. Il avait entendu probablement ce qui lui avait été dit, comme l'a dit c'est à ses bouts ici, c'est notre frère Jacob et tout ça. Donc il en connaissait en fait par l'histoire. Quelle grâce. Amen, amen. Frères et sœurs, il y en a eu beaucoup de femmes en Samarie. Des prostituées qui vivaient des vies en Samarie. Et bon, il y en a beaucoup, peut-être qui vivaient peut-être moins que cela, mais cette femme-là, le Seigneur lui-même est descendu pour pouvoir s'asseoir là, à ses puits là. Oh Dieu du ciel, que ton nom soit béni. C'est pour ça qu'il disait, mais suis-toi aujourd'hui. Tu connaissais les dons. C'est merveilleux ça, si tu arrives à pouvoir réaliser ce que Dieu est en train de faire pour toi. Elle ne voyait pas encore. Et elle méprisait cet homme-là assis au puits. Oh, c'était son salut. Sa délivrance, la grâce divine de Dieu.
C'est ce Dieu-là dont Jacob leur a parlé, que Dieu te bénissera. C'est ce Dieu-là que Moïse s'est agenouillé. Oh, gloire à Dieu. Tous les prophètes et les saints ont eu la crainte et le respect pour ce Dieu-là. Mais quand il est descendu, il a pris la forme d'un serviteur. Ah, un bon berger, comme nous l'avons entendu, l'Éternel est mon berger. Ah, je ne manquerai de rien. C'est quand il est un berger, un vrai berger, il cherche toujours ses propres brebis. Oui, il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est pour ça que, étant donc venu à cet endroit et trouvant cet homme-là assis au puits, jamais même dans son subconscient, c'est ce que nous arrive aussi, jamais même dans son subconscient, en fait, elle se disait, je suis ignoble en fait. Je ne suis pas propre, je suis souillé. Est-ce qu'un Dieu comme le Dieu dont on nous a parlé, c'est Dieu très saint, auquel Moïse a même dit que je voulais quand même voir. Il me dit, mais si tu me vois, mais c'est, tu ne seras pas, mais il faut que tu vois seulement les dos. Donc je passe effectivement. Il me dit, mais c'est Dieu tellement qui a secoué, qui a fait sortir son peuple de l'Égypte si grand, si gros, si puissant. Peut-il regarder à une infime personne comme moi, et puis en plus maintenant une vie de prostitution? Alléluia! Gloire à Dieu! Oh mon frère et ma sœur, Dieu est Dieu. Nous limitons Dieu, c'est pour ça l'action de Dieu n'a pas d'effet dans nous en fait. Et c'est vrai que, il pensait pas, mais pendant qu'il pouvait quitter là-bas, sortir effectivement et arriver sous ce puits-là, il pensait que je rencontre un homme comme tous les hommes. Jésus était un homme. 100% un homme. Mais il était aussi 100% Dieu. Amen. C'est pour ça que nous le disons ici, j'ai dit, Satan a toujours été confondu. Il s'est posé des questions. Même de sa naissance, parce qu'il ne pouvait pas croire la parole de Dieu, vous savez. De sa croissance, de ce qu'il voyait, il était troublé. Donc, dans tout son royaume, c'était le trouble complet. Donc, il s'est dit, mais est-ce que, c'est pour ça que vous voyez que ce trouble-là s'est transposé chez sa postérité. Mais bien sûr, vous dites quoi? Mais regardez très bien, qu'est-ce qu'il disait? Mais tu nous retiens toujours, dis-nous si tu es le Christ, en fait. Si tu es, dis-le-nous clairement. Vous vous souvenez? Nous sommes troublés, dis-nous clairement, parce que lui-même était troublé. Alléluia. Ceux qui ont le même esprit que lui aussi, troublé. Dis-nous clairement, mais en fait, mais je vous l'ai dit. C'est ça le problème, en fait. Et lui, il s'est posé la question, mais qui est-il? C'est Dieu ou c'est pas Dieu? Parce qu'il ne croit pas. Oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il ne peut pas croire. Mais vous le savez, non? S'il est incrédule, puis il est menteur. Tout ce qui est comme abject, c'est donc à lui que cela revient, effectivement. C'est donc, c'est là que nous pouvons comprendre que quand il vint vers cet endroit, il était impossible que cette femme, donc, samaritaine, puisse vraiment réaliser que c'est quand même une grande visitation, pas d'un ange. Ah oui. Ah oui, parce que c'est l'ange Gabriel qui est allé visiter Marie. Mais là, c'était pas l'ange. Quel privilège elle avait, cette ange. Alléluia. Frères et sœurs, si seulement nous pouvons réaliser cela, nous serons des gens, même si on a des douleurs de bobo, on chanterait. Parce qu'on réaliserait, Seigneur, quelle est la maladie qui peut me retenir, ou même la tombe ne peut pas me retenir. Même si on me met dans le cercueil, ça ne peut pas me retenir. Parce que de là, je sortirai. Déjà, tu as la victoire ici, mon frère. Quand tu descends, tu as la victoire. Mais dans tout, mon frère. C'est pour ça, si nous pouvons vraiment prendre du temps dans notre vie, de l'aimer, de le servir, de le chanter dans toutes les conditions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Amen. Amen. Seigneur, si tu peux m'accorder simplement la grâce de louer ton nom. Amen.
Je ne ferai que ça. Pourquoi te plaindre pour telle chose, alors que tu sais que Dieu est capable de le faire pour toi? C'est la vérité, frère et soeur. Et cette femme, effectivement, là, marchant, descendant là, elle allait au prix avec une tête baissée, aussi, effectivement, je vais faire le même scénario tous les jours. Oh, oui, mon frère et ma soeur. Tu peux te dire aussi, Seigneur, j'y vais tous les jours, je vais tous les jours. Mais un jour, alléluia, un jour, ton tous les jours là, ça changera en un jour spécial. Oui, monsieur. Il est le même, monsieur. Il ne change jamais sa façon de faire. Ah, il observe, parce que c'est vrai, frère et soeur. C'est la même chose aussi, effectivement, aussi. Cet Italien, effectivement, aussi, dans les Saintes Écritures, vous le connaissez. Vous connaissez, non? Dans les Actes au chapitre 10. Vous le savez? Comment il s'appelle? Corneille, hein? Il faisait aussi des aumônes. C'était un peu quelque chose qui était un peu régulièrement, quotidiennement, comme ça. Il avait la petite voix de faire, effectivement. C'est comme si il n'y a pas un changement. Mais un jour. Parce qu'on vient même lui rappeler. Il ne pouvait jamais imaginer que ces dieux-là, les dieux d'Abraham. Parce qu'il s'est voyé d'abord souillé, étranger. Et il savait qu'Israël avait un Dieu véritable. Qu'il n'avait pas, il n'avait que des statues. Il n'avait pas de Dieu, effectivement. Qu'il était là-bas, mais il était étranger. Mais quand même, il faisait. Il ne pouvait pas imaginer que ce Dieu-là voyait. Est-ce qu'il peut se souvenir de moi, effectivement, mais quand même poussé par quelque chose? Pendant qu'il le faisait, Dieu voyait. Je veux dire, mais pas parmi les milliers qui assis, pas ceux qui pensent à son peuple, mais pas d'un étranger comme moi. Mais jamais vous pouvez penser que dans sa vie, qu'il se laisse pas des particuliers. Mais il y a eu un jour aussi particulier. C'est ce jour-là où l'ange vient chez lui. Alors paralysé, il dit, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. Ça sera aussi possible pour toi. Oh, mon frère, il n'y aura pas toujours des trains de tous les jours comme ça. Mais un jour, ça sera un jour particulier pour toi. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, ma soeur, c'est biblique. Et c'est la vérité pour cela aussi. Ça, c'est quelque chose que vous devez conserver en vous. Vous devez réaliser qu'effectivement, que je dois simplement faire ce qui est correct, ce qui me demande de pouvoir faire. Mais un jour, ça sera un jour spécial. C'est ce que Corneille a eu à pouvoir avoir. Oui, c'est cela aussi. Et Corneille a pu voir l'ange qui dit, et puis on le rappelle. On lui rappelle effectivement tes prières et tes aumônes. Tes aumônes, là. Que toi, tu fais, là. Et tu pensais que Dieu ne pouvait pas voir, effectivement, et te récompenser. Dieu l'a vu. Et il te récompense. Voilà la récompense. Donc, va là-bas. Envoie tel, effectivement, qui vient. Tu auras plus même que l'argent que tu demandes. Alléluia. Et vous vous souvenez aussi, frère, l'important qu'on amenait tous les jours, déposer effectivement à cet endroit. Oui, on veut déposer, on veut les prendre, on les dépose, on veut les prendre, on veut les prendre. Oui. Mais un jour, alléluia, ça sera un jour bestial pour lui aussi. Ce jour-là est arrivé. Et il disait, on me prend, on me dépose, on va me reprendre, on va me ramener. Alléluia. Mais Dieu avait choisi un jour. Gloire au Seigneur. Frère, ma soeur, toutes tes peines seront-y finies. Un jour viendra où tu ne vas plus pleurer. Pas que tu seras au ciel, non, ici même sur la terre. Avant d'aller là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu avant d'aller là-bas. Oui, ce jour-là viendra. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Alors, vis avec l'espérance. Bien sûr, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, cela est 100% vrai. C'est pour ça qu'on a besoin de la persévérance. C'est pour ça que la femme syrophénicienne l'avait. On lui parlait, effectivement, on les chassait, vous connaissez cela. Oh oui, elle disait, mais les gens disent, mais ça va pas aller, mais elle persévérait. Oui, monsieur, oui, madame. Il n'y a pas de raison que tu te décourages pour les problèmes qui se passent chez toi. Non, monsieur. Un jour viendra.
Oh, comme la Bible dit, ça sera un jour unique connu de l'Éternel. Oui, le jour unique que Dieu seul connaît. Ce sera ton jour à toi. Oui, mon frère et ma soeur. Parce que c'est lui qui t'a appelé dans ce monde ici. Il savait par quoi tu allais passer. Mais il a aussi fixé un jour. Alléluia. Il a fixé un jour, mon frère. Où toutes les peines seront terminées, mon frère. Oui, monsieur. Parce que nous servons un Dieu vivant. Ce Dieu ne peut pas changer. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucun être, il n'y a aucun esprit qui peut pousser Dieu à changer. Non, monsieur. Parce qu'avant que la chose ne puisse arriver, il avait déjà lui-même vu ça avant. C'est pour ça que ça ne peut pas échouer. Il est omniscient et omnipotent. Il change le cours de l'histoire comme il le veut. Parce qu'il est le seul qui décide. Il n'a pas besoin d'un conseiller. Non. Il faut toujours garder ceci dans votre esprit, frère. Quand vous lisez, il n'y a que la parole de Dieu qui apporte effectivement la consolation. C'est une grâce. Et puis cela est vrai, mon frère et ma soeur. Parce qu'il a dit une chose. C'est pour ça aussi que Dieu veut nous encourager davantage. Il a dit une chose, effectivement, qu'il dit, mais que vois-tu, Jérémie? Parce que Jérémie disait, mais Seigneur, ils sont comme ça, le peuple, ils sont comme ça. Il me dit, mais avant même que tu puisses être fondé dans ta mère, je t'avais consacré. Peu importe ce qu'il peut faire, effectivement, mais personne ne pourra te vaincre. Il a dit. Et puis, il veut lui montrer aussi quelque chose d'éternel. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Afin que Jérémie soit fortifié aussi. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche dans ma main. Il dit, mais tu as bien vu. Parce que moi, ici, je veille sur ma parole. Donc, quand j'ai dit quelque chose, j'y veille. Et doit s'accomplir, effectivement, parce qu'elle doit s'accomplir. Amen. Puis, nous l'entendons dans le psaume aussi. Que quand il dit, lui, une chose, elle doit arriver. C'est sûr que nous devons comprendre. Le plus grand problème, c'est que nous ne prêtons pas attention à ce que l'Esprit dit donc aux églises. Donc je parle du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Que c'est lui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit donc aux églises. Si vous perdez votre temps simplement à pouvoir écouter simplement votre esprit, ah oui, et vous savez que si c'est en rapport avec votre esprit, c'est que l'ennemi se tient toujours là. Ah oui, il va vous faire passer que c'est vous. Mais en fait, c'est lui qui contrôle. Il est un menteur, hein, vous savez, qu'il va passer. Il n'y a que le Seigneur qui les dévoile. Mais lui, non, il va toujours se cacher derrière en avant. Bien sûr que oui. Donc si toi, tu as compris que ma confiance ne peut pas être basée dans ce que moi je suis, mais dans ce que Dieu dit. Parce que s'il me dit « crois », n'étais-je pas dit que si tu croyais, je verrais la gloire de Dieu? Il dit, même si c'est la chose impossible, comme avec Marthe. Il dit, mais n'étais-je pas dit? Parce qu'il a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait point mort. Alors, il lui dit que ton frère ressuscitera. Oui. Parce qu'il est mort, mais il va ressusciter. Vous connaissez cela, non? Et puis il dit, oui, je sais, Seigneur Jésus, alléluia, dans la Sainte Écriture, tu as dit qu'au dernier jour, oui, c'était la vérité. Mais là, il lui parlait, il dit, mais, parce qu'il peut, que Dieu te bénisse. Il a vu aller tellement si loin. Et puis il veut maintenant le révéler pour lui dire une chose. Non, je suis moi, la résurrection. J'aime Jésus, frère. Alors il clarifie encore. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Vivra quand bien même il sera mort. Crois-tu cela? Donc quand il parle, fais bien attention, mon frère. Laisse pas ton imagination travailler. Et ceci et cela. Non. Laisse simplement que lui, mon âme, te dise. Ça va être toute fois qu'on prend ce qu'il dit. Si nous l'écoutons. Ah oui, il nous révèle, en fait. Ça c'est 100% vrai. Parce qu'on ne peut pas faire mentir les Écritures. C'est 100% vrai. C'est pour ça que. Après lui avoir posé la question, est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'il a répondu? Tu crois que tu es le fils de Dieu? Vous connaissez l'écriture, non? Non, alors, parce que quand vous dites quelque chose, que vous croyez la chose, ben, comprenez bien ce que vous dites. Ce que vous dites que vous croyez en lui. N'est-ce pas vrai?
Voyez-vous, parfois, les événements, enfin, les circonstances qui nous passent un peu dans notre vie, quand on avec notre vue et tout ça, ça crée aussi des problèmes. Il y a une sorte de contradiction avec notre façon de pouvoir voir les choses de Dieu, parce que ça agit sur la foi, en fait. Oui, bien sûr, pourquoi je dis cela? Parce que la vue ne peut pas te donner à pouvoir croire. La vue va fonctionner avec la logique. On nous a parlé dans les Saintes Écritures, donc, les yeux de la foi. Vous comprenez? C'est ce que les troisièmes croyants avaient. Sache au roi que nous t'aimons, enfin nous te respectons, mais en fait nous savons une chose, Amen. Que notre Dieu est capable de nous délivrer de cet endroit. Amen. C'est sûr et certain. Donc nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à marcher en croyant ce que Dieu nous a dit en fait. Ça sera toujours le combat, la foi dans la parole de Dieu. Le diable fera tous ses efforts pour que toi, ma soeur, tu ne puisses pas croire. Parce que chaque fois, tu auras un problème humainement, physiquement, visuellement, impossible. Et puis tu te poses la question, tu dis, mais Dieu me connaît, il me voit, c'est si, parce que bon, si je crois, il faut que je trouve une solution. Je me dis, mais parce que vraiment Dieu, mais en fait, vous l'avez vu avec la Samaritaine. Pouvait-elle penser que Dieu la voyait? Mais pourtant, Dieu la voyait. Prostituée, mauvaise vie, mais Dieu la voyait. Mais toi, sœur, toi, frère, tu viens quand même dans un lieu où son nom est invoqué. S'il peut voir quand même cette femme-là qui n'allait même pas prier, on n'a pas entendu qu'elle priait quelque part, mais qui vivait une vie tout à fait souillée, mais alors toi, qui te lève le matin chez toi et qui puisse te préparer avec les enfants qui vont venir à cet endroit, que Dieu ne vous voie pas. Quelle incrédulité, mon frère! Parce que déjà, quand tu t'assieds, tu dis, je sens dans mon cœur, j'ai le désir de pouvoir chanter. Mais c'est Dieu! Amen. Alléluia! Amen. Oh, je glorifie Dieu parce qu'il y a quelque chose qu'il a déjà fait pour moi. Mais vous savez que c'est Dieu. Donc c'est Dieu là du ciel. Il te voit. Amen. Parce que mon frère et ma soeur, c'est celui qui suscite en fait ses désirs. Vous pouvez rester dans votre lit, hein? Prolonger le sommeil en disant, ah, je suis fatigué, il fait froid dehors, effectivement. Ah, bon, je vais simplement regarder à la connexion ainsi. Mais vous n'avez pas regardé à la connexion. Vous avez quitté votre pays, vous avez quitté votre endroit pour pouvoir dire, non, je vais quand même aller là-bas. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est toi? Non, vous ne le savez pas, mais c'est vrai, c'est lui qui l'a fait. Amen. Pourquoi il t'a ramené ici? Parce qu'il voit que ta foi chancelle. Il veut que tu entendes ça. Que tu puisses comprendre qu'effectivement, mais mon Dieu, mais pourquoi je dois douter? Puisque tu es quand même vivant. Parce que maintenant, tu me montres qu'effectivement, qu'il y a la Samaritaine même. Une femme qui était prostituée, qui vivait mal, effectivement. Tu la voyais. Et moi qui fais des efforts venir dans ta maison. Ne peux-tu pas me voir? Ne peux-tu pas voir mes enfants, mes petits-enfants et ma famille entière? Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Alléluia. Sûr et certain, c'est lui qui te touche. Parce que tu t'es préoccupé de ses affaires. C'est lui qui te touche. Il touche à tes enfants. Il touche à Dieu, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors n'ayez pas peur, frère. N'ayez pas peur de Satan ou des démons. Personne ne peut vous vaincre, frère. Alléluia. Là, c'est la chose véritable. Oui, monsieur, oui, madame, nous le disons avec vérité et sincérité. Personne, personne, parce que Jésus qui vous a acquis, vous lui appartenez, monsieur. Oui, madame. Mais c'est vrai, mon frère, de qui aurais-je peur? Cet homme avait bien compris une chose. Quand on le poussait à descendre dans le bas-fond, vous savez, comme on le disait l'autre fois, et on t'enfonce dans le bas. C'est comme tu es déboué en fait. On a beau enfoncer, tu n'enfonces pas. Alléluia. Ah, oui. Ah oui, oui, oui. On pousse là-bas. Mais tu remontes toujours. Alléluia. Gloire à Dieu.
Il dit, mais cet homme ou cette femme, on l'enfonce. Il dit, mais tu n'as pas bien regardé. Parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on peut enfoncer. Parce qu'il doit remonter. Oui, monsieur. Oui, madame. Il n'y a aucune preuve qui peut être au-dessus de toi, monsieur. En tant que fils et fille de Dieu. Oui, frère, nous avons la grâce d'avoir ce Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous savez, tout ce qui s'est passé dans les Saintes Écritures, ce que Dieu a eu à pouvoir agir, effectivement, démontrer, c'était pour nous. Vous le croyez? Parce que c'était qui? C'était pour notre instruction. À nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles. Parce que l'âge de la Odyssée, c'est la période, l'âge la plus difficile. Vous voyez peut-être un tout petit peu les goûts qui sortent maintenant, des choses comme ça, avec tous ces événements, combien le monde est chamboulé. Vous n'avez pas bien remarqué, frères et sœurs. Parce que les gens peuvent penser ou dire ce qu'ils pensent, mais nous savons ce que nous disons. Nous avons dit que cette année-ci, c'était une année particulière. Vous vous souvenez? Regardez maintenant avec les problèmes de Corona. Agita, maintenant on peut commencer. Oui, c'est vrai, frère. Parce que vous avez prié. Vous ne vous rendez pas compte. Oui, monsieur. C'est vrai. Parce que vous vous dites, madame, est-ce que vraiment nous? Mais oui, bien sûr, frère. Vous avez prié. Ah ben, on voulait. Les choses étaient endurcies. Maintenant, vous voyez comment ils savent même. En fait, comment ça change. On a des boulets, on a ceci, ceci. Mais on ne sait pas tellement très bien faire. On va durcir, on va ceci, on va ceci. On ne va pas tellement très bien. Mais on va toujours vers le relâchement. C'est ça. Tous les autres pays ont commencé à. Maintenant, on entend ça. On dit, on sait que derrière. Et faut, on sait que derrière. C'est déjà. Ça, c'est Dieu qui déclare les choses. Nous puissions réaliser que, comme vous l'avez toujours entendu, vous me regardez un peu comme vous voulez, mais je voulais toujours dire cet endroit. Je même dis, Corona va venir, Corona va passer. Maintenant, on le dit, hein, il n'est pas s'il devient plus pandémique, mais endémique. Donc, il commence à devenir comme un petit virus, comme un petit, une petite grippe. Hein. Parce que comme ça, on va vivre comme ça. Alors, si on doit vivre comme ça, plus de masques. Plus de distanciation. Nous devons glorifier Dieu. Parce que, aussi longtemps, il faut que vous le croyez. Peut-être que les gens ne pensent pas, mais aussi longtemps. Que toi, en tant que fils de Dieu, un élu de Dieu, tu es sur cet été. Le diable peut tout faire. Même vouloir, même secouer, prendre que les bombes atomiques, comme il les fait faire maintenant, que ça puisse exploser ou faire ceci. Jamais. Jamais. Jusqu'à ce que. J'aime Dieu, hein. Ah, vous dites, oh frère, mes frères, nous, la Bible n'exagère pas, il dit la vérité. Noé était-il dans les déluges? Non, il faut que vous vous compreniez ce que je vous pose comme question, parce que vous voyez, ah frère, mais il fallait que Noé soit bien placé, qu'il soit bien protégé, que la porte bien fermée, que tout soit, vous savez, hermétique. Amen. Noé, hein. Et toute la race là qui s'est. Dieu attendait quand même que Noé entre. Parce que la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de. Ah ah, que Dieu te bénisse. Mais c'est vrai ça. Et comme il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, vous avez remarqué une chose? Il n'a pas pris Noé seul. Ah. Oui. Vous voyez, il pouvait aussi dire, bon, Noé seul, bon, tes enfants, je les mets dehors. Parce qu'il dit, non, il dit, mais Noé va pleurer. Parce que Noé lui-même, sa postérité aussi est bénie. Alors prends ta postérité et tout ce que tu as. Alléluia! Ah, il est bon de mes dieux, mon frère. Il épouse les dents, il rentre. Voyez la bonté, l'amour de Dieu, frère. À ton endroit.
bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas comprendre que vous ne l'aimez pas. Je ne peux pas comprendre que vous ne puissiez pas chanter à sa gloire avec autant d'amour pour un tel Dieu, mon frère. Je le remercie parce que je peux dire, Seigneur, je te remercie pour m'avoir donné, il ne fût qu'une voix. Alléluia. Sur cette terre, je dirai, je t'ai chanté. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Je dirais, tu m'as inspiré des cantiques. Pour la gloire de ton nom, mon Seigneur. Alors je vais chanter ta gloire dans toutes les circonstances. Oui, monsieur. Vous ne réalisez pas, mon frère et ma soeur, le privilège que Dieu nous donne. Frère, ma soeur, c'est une grâce que de pouvoir servir ces dieux. Quand je parle de servir, ne regardez pas seulement moi qui me tiens ici. Vous aussi. Oui. Parce que, regardez, même le fait de pouvoir nettoyer ici, je te dis, Seigneur, quand même dans ta maison, pour montrer mon amour à ton endroit, je n'avais qu'à d'autres mecs qui s'y blessent, moi, va trouver. Mais j'ai quand même nettoyé. Ça compte, mon frère. J'ai quand même fait ceci, Seigneur, dans ta maison. Donc, c'est-à-dire que Dieu voit mon intégrité. Comment je me suis donné à toi, effectivement. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez des écasses? Dans sa maladie, et cette maladie l'a frappé. Et puis, Esaïe vient avec ainsi par l'Éternel. Oh, Dieu est bon. J'aime le Seigneur, mon frère. J'ai toujours dit, ne l'enfermez jamais dans une bouteille, mon frère. Pas mon Dieu à moi. Le Dieu que nous servons, jamais dans une bouteille. Parce qu'aucune bouteille ne peut le contenir, frère. Alléluia! Ah, il est merveilleux, c'est Jésus que nous avons, frère. Aucune bouteille. Oh oui. C'est ce qui est merveilleux de voir cette grâce que ce Seigneur nous accorde, effectivement, de pouvoir marcher avec lui, le connaître et les servir. Alors, quand Esaïe lui a dit effectivement que prépare tes affaires et tu vas mourir. Tu ne vas plus vivre, donc donne les instructions donc à ta famille. Mais aussi, regardons comment Dieu est merveilleux. Hein? Et c'est sa façon de faire est toujours glorieux. C'est quand même quelque chose de particulier que Dieu vienne te dire. Prépare-toi. Et donne des instructions à ta maison parce que tu vas rentrer. Mais c'est un temps où je dois commencer à beaucoup prier dans mon train. Il te donne le temps de pouvoir vraiment vous rendre compte. Vous comprenez que vous voyez d'attaquer sans vous le voir parce qu'un païen, on ne va pas lui dire prépare-toi. Non, lui, il s'échappe tout. Mais Ézéchias, il envoie un prophète, il dit, mais prépare-toi, c'est-à-dire que Dieu dit que tu vas rentrer à la maison, maintenant tu vas rentrer. Et puis l'homme regarde quand même, aïe, Seigneur, mon Dieu, et comment, la Bible dit qu'il versa d'abondantes larmes. Elle lui dit, mais souviens-toi, je crois que c'est dans Isaïe, quelque part, quelque chose comme ça, nous pouvons trouver ça ensemble. Je sais plus très bien, peut-être un verset, mais nous pouvons 35 peut-être, quelque chose comme ça. Ah ben là, c'est pas ici, mais bon, c'est quand même. C'est quelque part dans les écritures, mais ça. Ah, attendez. Parce que Ézéchias, c'est que tu. Bon, bref, c'est que c'est de. Je crois que c'est dans Isaïe quelque part. Ne vous inquiétez pas, mes frères vont me trouver ça, nous pouvons les lire. Parce que vous savez, c'est Ézéchiel ou Isaïe, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, en fait, bref, il dit, vous allez le trouver, peut-être que les frères vont regarder. Ah, voilà, 38. Ah, Esaïe 38, donc il dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe ainsi parle, l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Vous suivez? Ô Éternel, souviens-toi
que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Vous savez, cette prière, ça touche. Hein. Il rappelle au Seigneur ce que lui, il a eu à pouvoir faire. Ah oui. Il dit, mais souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Est-ce que on a dit ça tout à l'heure? Seigneur, mon Dieu, quand j'étais sur la terre, ou bien quand je suis sur la terre, je n'ai fait que chanter pour ta gloire. Alléluia. Tu m'as donné la grâce d'avoir une voix et l'inspiration pour les chants et les cantiques. Je n'ai fait que louer ton saint nom. Ah, vous savez, c'est merveilleux parce que Ézéchiel se dit plus loin, il dit, ce n'est pas ceux qui descendent dans les séjours de mort qui te louent, ô éternel. Parce que les séjours de mort ne peuvent pas te louer. Gloire à Dieu, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, ô éternel. C'est ce que nous sommes censés pouvoir faire. Il dit, mais sur la terre, mais je disais que je ne verrai plus la maison de l'éternel sur la terre des vivants. Parce que quand il y allait, il louait Dieu, il était reconnu. Parce qu'il dit, mais intégrité avec fidélité de cœur. Parce qu'il était connu comme ça, le Seigneur dit, chaque occasion que Dieu lui donnait, il dit, j'étais fidèle. J'ai dit, il saisissait l'occasion pour se donner. Dieu voit cela. Chaque chose que vous faites, effectivement, pour la gloire de Dieu, de tout votre cœur, Dieu voit cela. Il n'est pas un homme pour oublier. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Vous avez remarqué dans les Saintes Écritures, ça c'est notre propriété que Dieu nous donne. À laquelle Satan peut tourner autour, il ne pourra jamais réussir. Deutéronome 28, si tu obéis, toi, tu obéis seulement à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu l'aimes, tu le chantes, tu le glorifies de tout ton cœur. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Vous connaissez cela? Nous pouvons les lire quand même. Hein? Voilà. Deutéronome, chapitre 28, 25, 26 et 28. Il dit, verset 1. Si donc tu obéis à la voix de l'Éternel, je voulais chercher, vous y êtes quand même. Deutéronome 28. Si donc tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce commandement. Et vous savez, j'étais en train de pouvoir penser, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quand même pas compliqué. Que Dieu te bénisse. Elle était plongée dans son franchement. Rien de très bien, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est compliqué vraiment? C'est que Dieu nous demande. C'est vrai, qu'est-ce qui est, vraiment, posons-nous un peu la question, la complication vient d'où? Est-ce que la parole de Dieu est compliquée? Et elle est difficile. C'est quand même un peu difficile. Mais nous pouvons dire, c'est vrai que, bon, on peut dire, Seigneur, c'est quand même difficile, compliqué, d'une certaine manière ou d'une autre, mais Dieu nous l'a rendu facile. Donc, mon frère et ma soeur, ni toi ni moi, on n'a pas d'excuse quand même pour dire que c'est compliqué. Ce n'est plus compliqué. Je crois que c'est quand même la parole que Moïse a eu pour dire que cet homme de Dieu, je crois que l'apôtre Paul l'a donc démontré, appliqué. Et regardez bien comment il a dit. Je vais continuer le tour d'homme après. Hein. Et regardez, je crois que c'est dans le livre de Romain, on va entendre ce nom comme Romain. Voilà, Romain, chapitre 10, je pense, quelque chose comme ça, oui, voilà. Voilà, c'est Romain, chapitre 10, je pense, oui, c'est ça, oui. On est dit ici. Voilà. Romains chapitre 10, verset 4, je pense que c'est. Voilà. Il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Car on nous dit, Christ, on nous a fait comprendre pour que nous puissions comprendre clairement qui est clairement. Vous suivez, frères et sœurs? Parce que quand vous sortez, vous devez quand même avoir reçu quelque chose. On nous a dit dans les Saintes Écritures que la loi est venue par... Est-ce que vous comprenez? On ne nous a pas dit que Jésus était le deuxième Moïse. Est-ce que vous comprenez? La loi est venue par... Ça s'est arrêté là. Et puis, la grâce et la vérité sont venues par... Eh bien, vous voyez la différence. La grâce. La grâce. C'est-à-dire qu'effectivement, que tu n'as rien fait. Est-ce que vous saisissez? Bon, regardez bien, on dit bon, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Pour la justification de tous ceux qui croient. Maintenant, on dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ce genre en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre qui? Parce qu'il est venu, il est fils de l'homme. C'est vrai, non, vous vous souvenez? Vous vous souvenez encore pas très bien, mais souvenez-vous quand Philippe rencontra Nathanaël. Vous vous souvenez? Il dit que peut-être venir de Nazareth quelque chose de très bien, comme ceci, comme cela. Vous vous souvenez? Et lui dit, viens, vois. Et vous vous souvenez ce que quand il est venu, je pense que dans Jean, peut-être que nous pouvons le lire dans Jean, probablement cela. Oui, que Dieu nous aide. Dans Jean, je pense, Pierre. J'entends. Et bon, ça doit être peut-être verset 1, je ne sais plus très bien le verset, mais je pense que c'est cela. Jean, oui. Voilà. Vous voyez, nous voulons lire cela dans Jean chapitre 1. Merci Seigneur, il dit, Philippe rencontra Nathanaël, et verset 45, hein, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens donc et vois. Jésus voyant donc venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, mais d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, moi ici je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus répondit, parce que je t'ai dit que j'étais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sous le Fils de l'homme. Vous comprenez cela? Regardez. Et ici, il nous dit, mais voici donc comment, par la justice qui vient de la foi, ne dit pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Et puis, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Vous suivez? Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Est-ce que vous comprenez? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient donc au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, que quand Moïse parlait, effectivement, il dit, mais tu ne peux pas dire qu'elle est loin, cette parole, qui pourrait me la ramener, parce que maintenant elle est près de toi. Est-ce que vous avez saisi ce que c'est? Cette parole qui est faite chair, en fait. Donc, elle était donc inaccessible. Et comme la Bible le fait savoir, effectivement, que nous étions, effectivement, considérés comme sans espérance, sans foi, sans Dieu, étrangers aux alliances, effectivement, parce que tout appartenait à Israël. Vous comprenez? Mais qui pouvait nous approcher de ce que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir nous approcher, avoir accès, donc, aux promesses de Dieu? Personne. C'était difficile quand même. Impossible, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a rendu possible. Oui, pas parce que vous avez fait quelque chose, ou parce que vous avez fait des efforts, effectivement, pour avoir cette chose-là, mais parce que Dieu l'a décidé ainsi.
Ah, mais c'est vrai que vous dites amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela veut dire. Que Dieu a eu à pouvoir prendre une décision. Ah, mon Sauveur béni, que ton nom soit glorifié. Je vais vous lire une écriture encore, parce que le 28, comme j'ai dit, nous l'avons lu, vous connaissez cela, non? Mais maintenant, retournons dans Romains au chapitre 9. Pour que vous puissiez comprendre, effectivement, quand on peut dire, effectivement, que Dieu l'a décidé ainsi. Regardez très bien. Il nous dit ici, Romains chapitre 9, verset donc 14, il nous dit. Que dirons-nous donc, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Vous comprenez? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde, miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai donc compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, selon donc, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. C'est lui qui fait miséricorde. C'est quand même extraordinaire, mon frère. Vous savez, dans la loi, il dit, tu ne fais pas ceci, c'est la mort. Tu dois faire ceci, celui qui met dans le coup, c'est le nom. Mais il n'y avait pas de miséricorde. Tu fais ça, tu ne fais pas, paf, boum. Comme la femme. Surprise en flagrant délit, vous vous souvenez? Donc cette femme-là, donc on trouve une femme ainsi, on entend pas, paf, pouf, boum, c'est la mort directement. Mais ces jours-là, ils ont trouvé un autre contexte. Toujours de la même parole. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est cela la chose, j'espère de mon cœur que Dieu nous aide pour que vous puissiez comprendre effectivement ces choses d'une manière aussi globale. Et c'est cela que nous comprenons, que nous devons bien comprendre Dieu et surtout nous soumettre à la volonté de Dieu et ne pas y mettre ce que nous nous sommes. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que c'est comme ça qu'était la loi. Et tous, on a appris effectivement que la loi est comme ça. Oui, donc pas de miséricorde, pas de quartier. Mais ce que nous avons oublié en fait, parce que c'est cela que, là où, quand on l'a mené cette femme auprès du Seigneur, vous vous souvenez, quand il a posé la question, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit donc le premier à jeter la pierre. Vous devez les connaître par cœur, parce que je le répète presque tout le temps. Et vous avez vu la réaction, effectivement. Et j'ai toujours dit, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur n'a jamais dit que ne les faites pas. C'est ça, oui. Il n'a jamais dit qu'il ne faut pas lancer les pierres. Vous avez le droit. Mais seulement je vous pose la question parce que vous êtes venu vers moi pour me demander, mais qu'est-ce, de quoi, toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que Moïse a dit comme ça, et toi, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, ces gens, oui, effectivement, chaque fois, j'ai dit, Dieu est tellement bon. Mais vous ne pouvez pas voir. C'est une grâce merveilleuse. Je vais y arriver. Alors, regardez très bien, parce qu'ils nous ont posé la question. Mais alors, regardez très bien ce que les gens ont oublié. Parce que ce que les gens n'ont pas eu à pouvoir réellement penser. Parce qu'en fait, les gens ont pris la religion, en fait. Ils n'ont pas pris la parole de Dieu. Vous me direz, mes frères, comment est-ce que peut-il... Expliquez-moi comment est-ce que... Un homme comme Job pouvait dire que même si mon corps était pourri, décomposé, moi si Job, je vivrai et mes yeux et ceux de notre verront mon rédempteur. Vous pouvez me dire que pourquoi est-ce qu'il est Thomas à pouvoir dire cela? Mais c'est parce que Dieu lui a révélé. Vous pouvez me dire comment aussi Abel a pu offrir son agneau. Est-ce que vous vous souvenez? Comment et Abel a pu offrir son agneau? Mais par la révélation. Ça ne vous fait pas bouger un peu pour que vous puissiez voir que Dieu ne peut pas révéler sa parole à n'importe qui. C'est sa volonté parfaite qu'il révèle. Il ne peut révéler qu'aux siens. Comme un homme comme Noé, parmi tant d'autres aussi dans un monde de scientifiques, pouvait croire
ce qui paraît absurdité dans la pensée de l'être humain, qu'il y a une pluie. Frère, est-ce que Noé était déjà monté au ciel? Non! Noé n'était pas monté au ciel, Noé était sur la terre. Mais lorsque la terre, les cieux ont été créés, il y avait ces deux couches-là où Dieu avait prévu de l'eau. Mais Noé n'était pas monté là. Comment pouvait-il croire? Chose impossible. Mais pour Noé, c'était donc possible. Parce que Dieu lui a donc révélé, effectivement, que c'est sûr et certain. Vous voyez, c'est là qu'on réalise qu'effectivement, que si Dieu est avec nous et que nous croyons en lui, que nous avons confiance, pas croyons en lui comme dans une religion, mais croire en lui parce que vous savez ce qu'il est pour vous. Vous marchez avec lui, pas comme la religion ou le religieux marche, vous marchez avec lui parce que vous réalisez qui il est pour vous. Parce que c'est à ce moment-là, quand vous prenez la Bible, vous ne lisez pas pour dire, bon, on a dit, médite la parole jour et nuit, je vais quand même méditer quand même un peu. Non, 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 vous en avez besoin. Vous n'allez pas le méditer pour la sœur ou pour le frère, mais pour vous, pour l'amour que vous avez de lui. Seigneur, je vais apprendre de toi, que je sache effectivement ce que tu veux, parce que je veux connaître ce que ta volonté, parce que j'ai envie, j'ai le désir de pouvoir te satisfaire. Et c'est comme cela que vous sentez toujours ce besoin de pouvoir. Donc nous disons donc, comment il sait effectivement, eh bien, Dieu a eu à pouvoir lui faire comprendre et lui montrer cela. C'est pour ça que le Seigneur a dit, à vous, il vous a été donné de connaître. Vous suivez, est-ce que vous faites attention, frères et sœurs? À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pas à eux, mais à vous, oui. Ce qu'il a dit, non? Alors nous disons qu'effectivement, que la loi disait qu'effectivement, que voilà, donc, mais ces jours-là, quand ils sont venus, ce que les hommes n'ont pas eu à pouvoir comprendre, c'est pour ça qu'ils sont tous morts dans les déserts, malgré qu'ils pouvaient voir les merveilles de Dieu, ils ne pouvaient pas croire en ces dieux, en fait. Parce que malgré qu'il les a montré effectivement sa puissance et tout ça, ils restaient toujours effectivement dans l'incrédulité. Pendant 40 ans, j'ai eu cette grâce en dégoût. Parce qu'ils ne suivaient pas ma voix. Toujours murmurant, toujours. C'est ça le grand problème, c'est que j'ai toujours eu à pouvoir. Je reviens pour la loi. Le grand problème, c'est que vous ne réalisez pas. Quand vous murmurez, vous vous plaignez toujours, c'est un mauvais esprit. Quelqu'un qui se plaint toujours, c'est un mauvais esprit. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne doit pas se plaindre. Et pourquoi pas, non, pas fait pour moi. Et pourquoi pas, non, pas, pas. Pourquoi c'est le monde, non, non. Et pourquoi pas moi. Et pourquoi pas moi. Toujours des plaintes. C'est. Vous ne pouvez jamais avancer. C'est à cause de plaintes et de murmures. C'est écrit. Que malgré qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, Dieu a dit, cette race, ça vaut rien. Et ils sont quand même morts dans le désert pendant 40 ans. Mais bien sûr, pendant 40 ans, ils sont quand même morts dans le désert. Malgré qu'ils aient bu, malgré qu'ils ont vu, effectivement, dit, mais toujours murmurer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais. Toujours, toi, murmurer, ah, parce que moi, et parce que c'est... Non, 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 non. Il faut aussi savoir supporter la souffrance. Je ne sais comment, combien de temps, combien de fois, on disait que le Seigneur nous conduit à pouvoir nous rappeler cela, vous me rendez toujours. Je pleure beaucoup parce que je vois aussi que vous ne suivez pas. Vous êtes toujours en déclin. Oui, bien sûr, c'est vrai, parce que quand vous allez sortir ici, votre ancienne nature revient toujours au-dessus. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on nous dit, nous, dans les Saintes Écritures? Comme des élus de Dieu. Revêtez-vous d'entrailles d'eux. Et si l'un a sujet se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'on a dit? Comme. Ah, donc ça dit que nous devons nous pardonner réciproquement. C'est pas qu'on peut faire n'importe quoi. Et c'est très important. Mais regardez une chose, effectivement. Alors, nous parlions, effectivement, en rapport avec la loi et. Miséricorde. Ce que les hommes n'ont pas bien saisi, parce qu'ils n'ont pas cherché à pouvoir connaître l'Éternel, c'est que Dieu, il est d'abord miséricordieux. Ah, bien qu'il ait donné la loi, sa nature de miséricordieux ne peut pas être retirée. C'est pourquoi il a manifesté en Jésus-Christ.
Quand on est venu avec la femme, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Bien sûr que oui. Je ne sais pas si vous comprenez, hein. Je ne sais pas si vous saisissez. Et c'est comme cela qu'on nous dit qu'effectivement, que Christ est la fin de la loi. La grâce et la vérité sont venues par... Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment... Vous comprenez d'abord? Un disciple. Et puis il dit quoi? Vous connaîtrez? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc la vérité nous rend libres. Alléluia. Amen. Oui, bien sûr que oui. C'est cela qui nous rend vraiment libres, Dieu Seigneur. Gloire à toi pour ce que tu as fait. Parce que là maintenant, ben, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc, comprenons que il nous est donc nécessaire de pouvoir considérer les choses de Dieu, non pas comme nous pouvons les considérer et ramener Dieu, et surtout ça, ce qui se passe effectivement avec beaucoup, c'est qu'on ramène Dieu à ce que Dieu fasse ce que nous voulons. C'est vrai. Amen. Que Dieu, Seigneur, toi tu es là pour satisfaire mes désirs. Ah mais oui, vous ne l'exprimez pas comme ça, mais c'est comme cela que vous êtes avec Dieu. Vous ne lui donnez rien, mais il est là seulement pour vous servir, vous. Vous jamais vous dites que je vais te servir, toi. Parce que si tu veux le servir, c'est qu'il veut dire que tu es son esclave. Mais ici, on change de rôle. C'est Dieu qui devient ton esclave. Ah, vous dites, ah, c'est pas possible, mais c'est comme ça que vous le traitez. Ah oui, tu veux que Dieu, si Dieu ne le fait pas ce que toi tu veux, alors là, c'est la révolte. Je ne viens plus, je ne prie plus, je ne veux pas chanter, je ne me sens pas conduit, je ne me sens pas ceci. Avant, tu te sentais conduit. Mais quand Dieu s'est fait silencieux, eh bien évidemment, ça devient autre chose maintenant. Dina. Ah non, non, je ne sais même pas. D'ailleurs, pour chanter à la chorale, non, je ne sens plus. Non, en tout cas, non, non, Seigneur, parce que j'ai prié Dieu pour quand même ma situation et mon problème. Ben jusque-là, je ne vois rien. Alors, mais c'est comme ça que vous êtes. Je ne vois rien. Alors comment je sens même pas les désirs ni la force de pouvoir chanter. Alors aujourd'hui non. C'est que vous dites qu'effectivement que mon serviteur Dieu ne m'a pas servi. Quelle insulte mon frère. Quelle abomination. Mais c'est ce que vous êtes. Vous prenez le Dieu du ciel comme étant votre serviteur à vous. Ah, mais oui, et puis vous dire, alléluia, gloire à Dieu, j'aime Jésus. Mais tu aimes Jésus pour les avantages qu'il peut te donner. Mais tu ne l'aimes pas pour ce qu'il est. Parce que si tu l'aimais pour ce qu'il est, mon frère et ma soeur, dans toutes les circonstances, oui, qu'il neige, qu'il vente, la flamme qui est en vous là, elle va toujours monter, mon frère. Oui, monsieur. Parce que vous savez qu'il est mort pour vous. Et que tout ce qui vous accasse là, il a déjà payé à cela. Ce n'est que j'attends seulement ce jour-là. Parce que ce jour-là viendra pour toi aussi. Mon frère et ma soeur, nous étions des locataires. Je ne sais pas, mais les locataires ont vraiment pensé, mon soupirer quand même un jour, dit, mais c'était impossible, lointain. Mais qui aujourd'hui ne dit pas qu'il n'a pas, il a pas la maison? Vous avez la maison aujourd'hui? C'est vrai, frère, vous en avez aujourd'hui. Amen, amen. Tous vos frères, la plupart de tous vos frères et vos soeurs ici, ils ont des maisons. C'est vrai. Et puis, vous dites, mais c'est vrai, parce qu'il faut que tu sois incrédule pour croire, pour ne pas croire que la maison de ton frère est la tienne. C'est ça. Alors, je disais l'autre fois, je l'ai dit, mais je ne sais pas qui m'avait parlé de son cause. Il dit, mais c'est la vérité, je l'ai dit. Ah, puis, le frère Kassarek est venu me poser la question, dans mon bureau ce matin. Ah, il était tellement heureux, il dit, pasteur, je voulais te voir parce que la réunion du dimanche, aïe, alléluia, où j'étais là-bas, Dieu m'a visité. J'étais heureux, puis il dit, je vais te rendre un témoignage, comment Dieu m'a conduit pour pouvoir être dans cette assemblée. Je l'ai écouté le matin, je l'écoutais. Et puis, comme c'était un peu long, j'ai dit, bon, on prie d'abord avec les frères qui montent pour la réunion, et puis toi, tu rentres encore après.
Alors, il est venu, voilà, on parlait avec lui, effectivement. J'étais heureux de pouvoir le voir dans cette joie. Et puis, vous voyez presque ses yeux embués de larmes, effectivement, parce qu'il dit que ce que je désire, il dit, il n'y a plus rien dans le monde, effectivement, qui m'intéresse. J'ai désiré aimer Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire que Dieu a changé sa vie, en fait. Et je l'écoutais. Et puis, il me dit, mais pasteur, j'ai une question à pouvoir te poser. Je l'écoutais toujours. Alors, il me dit, dis-moi un peu, s'il te plaît, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit, dans Galates, c'est petit, il a dit, écoute, je lui dis, mais lis là, sinon tu veux que je puisse. Lui-même, il a pris, il a dit, on cherche avec toi. Galates, chapitre 6, le verset 6, c'est lui-même. Hein? Je crois qu'il est encore là ce matin. Frère Kasseraga, tu es là? Ah, ben voilà, il est là. C'est bien le chapitre, non? Galates 6, verset 6, regardez très bien. Et il me pose la question, il me dit, mais que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Hey, ah, ça devient difficile, hein? Ah, ça devient, oh, cette écriture-là. Il me dit, oui, ça c'est que j'ai dit, j'ai lu ça, je vais savoir à quel moment on peut l'appliquer. Hey, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On sent que ça devient froid. Hein? C'est pas moi. Hein? C'est vrai qu'à Serré qu'à là-bas, enfin. Avec beaucoup de crainte, il dit, mais je vais savoir, à quel moment, parce que l'amour de Dieu est dans son cœur. Il dit, à quel moment vraiment ça s'applique encore. Dieu soit béni. J'ai dit, une question biblique, ça se répond bibliquement. J'ai dit, mais prenons dans les actes. J'ai dit, on retourne dans les actes, hein, mon frère. Alors, nous prenons dans les actes, au chapitre 4. Actes, chapitre 4. Et nous allons donc au verset 32. Alors on nous dit là, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je ne sais pas si vous excluez, mais vous devez être quand même de ceux qui sont dedans, non? Hein, mes soeurs, vous suivez? Amen. C'est la Bible, hein? Nous aimons Dieu, nous croyons la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit, la parole, alléluia, gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Vous me regardez un peu comme si... C'est l'écriture que nous lisons. Elle dit, nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. D'abord, arrêtons, je vais continuer encore, parce que je vais dire, regardez bien que tout était commun entre eux. Qui dans son cœur, je pense, ne levait pas la main. Qui, aujourd'hui, peut se dire qu'effectivement, que ce que je, c'est aussi pour mon frère, c'est aussi pour ma soeur. Ce n'est pas seulement pour ma famille, pour mes enfants, mais c'est aussi pour mon frère et soeur. Quand on arrive à ce point-là, on est converti. Je continue la lecture que nous lisons avec lui. Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est-à-dire que parmi eux, il n'y avait pas un frère qui disait, je ne sais pas payer la facture d'électricité. Je donne un exemple, hein. Je ne sais pas payer la facture d'eau. Donc, ce qui veut dire que quand un frère ou une sœur avait un problème, et là, il savait, alléluia, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Est-ce que vous vous suivez? Est-ce que vous vous comprenez? Donc là, c'était qui? Voilà. Je continue maintenant. Car il y avait parmi eux, quand ce n'est même pas difficile pour vous, hein, lui, quand il y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. J'aime bien ça. Ah, j'ai pas entendu beaucoup d'amen. Hein. J'ai senti, oh, Seigneur, nous t'aimons. La parole de Dieu, magnifique. Gloire à Dieu. Tu es magnifique au Seigneur, c'est cela. Il est magnifique dans toutes les Écritures. Oh, Dieu est bon. Voyez, ouais, ça coince, mon frère. Mais il est magnifique dans les Écritures. Ça aussi, c'est l'Écriture.
Alléluia. J'aime, je ne sais pas, ça fait du bien, je ne sais pas pourquoi, mais gloire à Dieu. La question, c'est, frère Kassereka, vous n'avez pas les pasteurs préparés pour nous bombarder. Nous. Ce matin, avant que je monte ici. Mais c'est pas vrai, frère Kassereka. Parle un peu plus fort. C'est la vérité. Ah, ah, faut dire qu'il a fabriqué. Il a... Non, 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 non. Et alors, je l'ai fait lire, c'est lui qui lisait. Hein. Moi, je ne lisais pas, lui, il lisait. Nous continuons. Et les déposer au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qui, selon qu'il en avait besoin. Voilà. Ça veut dire que quand on vous apporte, tu te dis, quand on apporte, on ne va pas dire, voilà, qu'est-ce que vous avez fait avec, effectivement, ce n'est plus votre problème. Et quand votre frère et votre soeur vient aussi, il a des difficultés, mais ça lui sert. Oh, je ne peux pas. Non, 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 non. Dans leur cœur, j'ai toujours dit, Dieu, tu es vraiment merveilleux et glorieux. Jamais Pierre n'avait prêché ça. C'est là que vous devez voir, effectivement, que quand on est des élus, frère, on trouve les chemins tout tracés. On est égoïste, mon frère. On ne compte pas, on donne avec un cœur large, effectivement. Parce que toi qui es égoïste, frère, tu deviendras pauvre. Parce qu'on nous dit, celui qui retient les blés, il est maudit. Or, si tu es maudit, eh bien, toutes les malédictions tomberont sur toi. Moi, je ne vais pas être maudit, je vais être béni. Donc, je vais donner. Eh oui, monsieur, je sais ça, oui. Oh, quand quelqu'un vient, frère, dit, ah, attends. Bien sûr. Le diable, il est rusé. Oh, si tu donnes, toi, qu'est-ce que tu vas voir? Élie la verbe de Sarepta. C'est pas une histoire, c'est une réalité. Pour toi aussi. Alors nous continuons avec lui, toujours avec lui, puis on va terminer là. Il dit, et déposé au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Là c'est la flamme, là c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Vous êtes tellement amoureux du Seigneur que vous voulez que son œuvre aille de l'avant. Parce que quand il y a de moyens pour son œuvre, eh bien beaucoup de gens sont sauvés. La parole de Dieu est prêchée. C'est pas la parole de l'homme, non, c'est la parole de Dieu. Vous voulez que Dieu soit connu partout, effectivement. C'est le Saint-Esprit qui agit comme ça. Parce que c'est lui qui veut que l'homme du Seigneur soit proclamé partout. Mais quand il s'agit de vous, en fait, votre esprit charnel, il calcule. Si je donne ça, si je peux donner ceci, bah, je retire. C'est comme ça qu'on est. Il y a un frère, bon, c'est pas possible cela. Il y a un frère, il était avec nous ici. Hein. Je vous l'ai déjà dit tout ça. Il me pose, il vient dans mon bureau, il dit, mais pasteur, j'ai une question pour pouvoir vous poser en rapport avec la Bible. Bon, voilà comment moi je fais. Lui-même, il a déjà donné la réponse. Il dit, voilà comment moi je fais cela. Parce que bon, il a toujours écouté la parole. Hein. Il dit, voilà comment moi je fais. Je dis, je t'écoute. Il dit, alors je sais que Dieu, il est bon, il est toujours bon. Alors, quand je reçois mon salaire, j'ai fait ceci. Je paye d'abord le loyer, je paye d'abord les factures, toutes les factures, j'achète même chez Aldi et tout ça. Et puis, tout quand j'ai fait tout ça, même je donne tout ce quand j'ai fait tout. Ce qui reste là, je prends un dixième. J'ai dit, ce sont des scènes alors. Et bien parce que quand tu as tout acheté, tu as payé les loyers, tu as payé l'électricité, tu as payé les courses, tu as fait les courses et tout ça, tu as mis tes carburants pour un mois. Et il reste quoi? 5 euros peut-être. Il dit, mais voilà comment moi je paye ma dîme. J'ai dit, eh bien dis donc mon frère, tu connais bien les écritures. Hein? Parce que tu as toi-même directement t'es inspiré, tu as toi-même directement aussi, et tu as donné aussi la réponse à ta question. Qu'est-ce que moi je peux te dire? J'ai dit, mais tu lis dans les Saintes Écritures, là. C'est un dixième de tout. C'est pas moi. Parce qu'on peut penser, ah, les pasteurs, mais les pasteurs n'ont rien à voir avec Dieu. C'est un rapport avec Dieu. C'est écrit. Et puis, j'aime Dieu, il est trop bon. Nous avons un merveilleux Seigneur. Quand tu donnes là, d'abord, vous l'avez remarqué, non? Parce qu'on a toujours tendance à dire, oh, je vais donner, les pasteurs vont avoir les ventres. Vous avez vu mon ventre gros?
Son ventre va devenir gros. Il va comme... Vous l'avez vu, le ventre gros? Non, je pose la parce que c'est comme ça qu'il va avoir le ventre gros. Ça veut dire qu'il mange notre dîme. Je ne sais pas ce qu'il est. Bon, façon de parler. Parce qu'il ne faut pas avoir des pensées comme ça. Ce sont des absurdes. Ouais, oui, mais ça passe par l'esprit des gens. Ça passe par l'esprit des gens, de certaine manière. Mais vous remarquerez très bien que la Bible nous fait comprendre que c'était distribué aussi entre les frères quand on apportait du temps, tout ça. Et entre parenthèses, si vous saviez, il peut vous dire ce que nous, nous apportons comme aide à beaucoup. Nous n'avons presque rien. Oui, mon bébé là-bas, il secoue la tête parce que parfois je lui demande. C'est qu'il est là. Parfois, tout, parce que tout le temps ici. Parce que vous savez que nous avons beaucoup d'églises. Il est au courant. Beaucoup d'églises. Et c'est beaucoup d'églises. Encore, je vais quand même vous dire, entre parenthèses, entre nous, enfin, c'est distribué, pas de problème. La responsabilité que j'ai, elle est grande. Je l'ai dit seulement à vous. Et lui, il sait aussi. On a des églises qui sont bâties et qui sont attachées vraiment à nous ici, dans l'enseignement et dans tout, effectivement, qui, aussi là-bas, c'est IMC aussi. Et ces églises-là, les frais. Parce que quand on, puisque dans d'autres pays, effectivement, on doit avoir quand même notre reconnaissance là-bas, parce que sinon, on ne peut pas se rassembler. Donc, je suis responsable de là aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il est là, présent. Je peux le dire. Même les impôts qu'on a là-bas, même les trucs de corona ici, les températures, les désinfectants dans les églises là-bas. Eh ben, c'est tout. Parce qu'il dit, bon, je ne vous dis pas ça, mais justement comme ça, parce que souvent les gens, ah, ils ont. Nous aidons beaucoup. Que ce soit dans des, que quelqu'un qui est là-bas, nous ne vous disons pas ça, on n'est jamais venu ici. Alléluia, frères et sœurs, nous voulons que vous nous aidiez à contribuer pour ceci et cela. Non. Parce qu'on sait que vous allez murmurer. Vous allez commencer à pouvoir abonner. Parce que même si vous le faites à ça, on dit, oui, ils sont toujours là pour voir, mais ah, quand même. Hein, hein. C'est pour ça, nous, on évite de dire, ah, quand même. Donc, on prie Dieu, que Dieu soit béni pour les quelques frères qui nous aident, qui nous a donnés ici. Ils les bénissent richement. Ils seront récompensés. Alors, nous assistons dans beaucoup de choses, des églises qui tombent quand il y a des tempêtes, effectivement, nous reconstruisons et nous aidons, nous envoyons beaucoup parce que nous n'avons pas de moyens. Et ce que nous pouvons recevoir de l'un ou comme de l'autre, effectivement, n'est-ce pas vrai? Il est là, témoin. C'est pour ça que vous voyez que mon ventre ne pousse pas. Si on peut dire, ouais, nous savons qu'il est, il va, il fait. Ah, je sais, parce qu'il y en a de ceux qui parlent, oh, on a donné un pasteur, on a fait ces messieurs. Mais oui, mais tout ce que vous, la plupart du temps, vous c'est sert aux uns comme aux autres aussi, à vos frères. Vous ne savez pas la joie que vous apportez aux frères et aux sœurs dans différents endroits qui n'ont pas de moyens de pouvoir s'en sortir pour ceci, pour cela. Et comme Dieu nous a accordé un esprit de libéralité. Nous arrivons à pouvoir donc le faire. Donc, comprenons que là, comme nous le disions avec notre frère, si nous vont parler beaucoup plus loin, ben d'abord je termine ça parce que bon, il a lu jusqu'au verset 37, il dit, et Joseph, verset 36, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta lui-même de tout son cœur l'argent et les déposa aux pieds des apôtres avec beaucoup d'amour. Mais quand Ananias et Saphira ont vu, parce que ça vous comprenez bien que quand il s'agit des choses de Dieu, viens donner de tout ton cœur. Pas calculer pour savoir qu'est-ce qu'on va, est-ce que ça va partir où, qu'est-ce qu'il dira, est-ce qu'on a envie de manger, comment. Donc ça, non. Et Ananias et Saphira aussi ont vendu leur champ. Vous connaissez l'histoire. Et bien, ils en ont vendu. J'ai toujours aimé cette façon dont Dieu a eu à pouvoir montrer les choses. Là. Et c'est vrai quand même, j'ai dit, mais quand ils ont vendu les champs, c'était à eux. Ils pouvaient garder leur argent et manger, puisqu'ils n'ont pas été touchés. C'est là qu'on voit ceux qui sont touchés par la parole de Dieu, ceux qui aiment le Seigneur, et ceux qui sont là simplement parce que, bon, ils croient Dieu une partie, une autre partie, ça reste à eux. Ah ben oui, et bien, ils ont vendu leur champ, et au lieu d'apporter ce qu'il fallait apporter, mais ils ont pris, ils ont apporté, pensant qu'ils ont fait ça aux hommes, qu'ils allaient donner ça aux hommes. Vous voyez que Dieu leur a montré effectivement que ce n'était pas à un homme, ce n'était pas aux hommes que vous donniez, c'est à moi. Vous avez déjà lu ça? Acte 5, vous voulez qu'on le lise? Vous voulez qu'on le lise? Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur Imelda. Je suis content de te voir à la maison de Dieu. Merci Seigneur. C'est une grande consolation. Mais un homme nommé Ananias
avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et qui fait, il retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il rapporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, il les regardait comme ça. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Vous avez bien compris ce qu'il a dit? Au point que tu ne mentes pas à Pierre et à Jean, que tu mentes au Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont manqué de pouvoir regarder et voir. Tandis que, ici, Joseph, par là-bas, et les autres, effectivement, ils ne voyaient pas des hommes. Ils voyaient le Seigneur. Ils voyaient l'œuvre de Dieu auquel ils portaient. Mais eux, maintenant, ils ont eu à pouvoir avoir dans leurs yeux, à leur pensée, les hommes. Et c'est pour ça qu'il le rappelle bien, il dit, mais pourquoi Satan t'a-t-il vraiment signé jusqu'à ce que tu aies bien pour mentir au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Il était à toi. Tu faisais ce que tu voulais, tu dormais dans ton jardin, il n'y a pas de problème. Il dit, et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Il faut toujours faire par conviction, parce que vous faites parce que vous savez. La raison pour laquelle, et puis peut-être que je vais peut-être m'arrêter là, les prix n'étaient pas à ta disposition, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Mais ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Vous voyez maintenant? C'est la façon dont vous regardez les choses en fait. Ce n'est pas à des hommes que tu es en train de pouvoir jouer ou insulter ou parler comme ça, tu manques du respect. Quand vous manquez du respect aux serviteurs de Dieu, peu importe que vous le considérez comme ça, mais quand vous le manquez de respect dans votre façon de lui parler, vous avez manqué du respect à Dieu. Et pour ça, Dieu vous tiendra rigueur. Oui, monsieur, oui, madame. Vous pouvez trouver que oui, je l'ai fait, ceci, dans un endroit, que c'est passé, ça passe. Ça n'a pas passé avec Dieu. Souvenez-vous, Dieu n'est pas comme vous le pensez. Dieu exige du respect pour ses serviteurs. Si tu ne veux pas le respecter, alors ne parle pas. Ou bien, bon, laisse-les tranquilles. Mais il ne va pas venir l'insulter, les traiter de tous les noms, et puis dire, ah, pardon, 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 pour nous dire, ça, c'est qu'il faut faire très attention. Parce que vous touchez à la personne, c'est à Dieu que vous touchez. Bon, bref. Il dit, mais c'est pas des hommes, comme il dit, nous étions dans l'accident. Il dit, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, qu'est-ce qui s'est passé? Il tomba et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était donc arrivé. Pierre lui adressa donc la parole. Dis-moi, est-ce vraiment à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oh oui, 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 oui. Répondit-elle. C'est à ces prix-là. Mais il ne se rendait pas compte que Dieu était dans ses hommes. Oh, il lui montrant effectivement aussi comment le cœur de la personne. C'est vrai, souvent les gens doutent, hein, mais c'est vrai, frères et sœurs. Vous pouvez vous tenir devant un homme de Dieu. Il vous regarde, par exemple, c'est comme s'il ne veut pas vous donner un mais il a déjà vu dans votre cœur ce que vous avez comme. Mais c'est vrai ça, ce que vous avez comme pensé. Même quand vous lui parlez, derrière la parole que vous dites, effectivement, il sent déjà que ce n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. C'est vrai, frère. Dieu est vivant, mon frère et ma soeur. C'est ce qui s'est passé aussi là. Alors, en parlant, en disant, oui, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli donc ton mari sont donc à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, il tomba au pied de l'apôtre et expira. Alors dites-moi, ces personnes, comme ils sont morts comme ça, où pensez-vous qu'ils soient partis? Ils ne vont pas obtenir miséricorde? Non, monsieur. Non, 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 non. Ils sont partis, et bien, leur destination, tout le monde doit connaître, hein, ça ne peut pas être le ciel. Ah, non, 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 non. C'est séparé de Dieu, et effectivement, comme ça. Donc, nous devons réaliser que les choses qui concernent Dieu, ce sont des choses que nous devons prendre avec beaucoup de considération et beaucoup de respect. Alors je termine par cette écriture
que j'ai dit combien Dieu il est bon. Quand tu prends ton dixième, tu donnes de tout ton cœur, de toute ton âme. Et Dieu n'est pas là, dit bon, tu me donnes seulement c'est tout. Non, regardez ce qu'il dit. Nous lisons cela et puis nous allons prier. Attendez, je pense que c'est dans mon. C'est dans Malachie, hein? c'est là aussi. Nous allons y trouver Malachie, effectivement aussi. Malachie au chapitre 3, c'est là. À partir du verset 7. Malachie 3, verset 7, il nous dit. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. C'est toujours comme ça. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, mais en quoi? C'est extraordinaire, hein? Comment Dieu parle. En quoi t'avons-nous trompé? Il dit, mais dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Pas seulement les dîmes et les offrandes. C'est pas moi, il dit, c'est écrit là. Hein? Ce que je vous ramène seulement dans ceci pour que votre obéissance soit parfaite, afin que Dieu vous bénisse. C'est seulement le but de l'écriture que nous lisons, frère. Le diable cherche à pouvoir que la malédiction tombe sur vous. Mais ce que Dieu veut, c'est que la bénédiction soit répandue sur vous. Et ça avec abondance. Alors il dit donc, dans les dîmes offrandes, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Donc vous savez que quand vous êtes maudit, c'est tout ce que vous avez. Hein. Oui, la malédiction partant de vous, et puis juste tout ce que vous avez maudit aussi. Vous pouvez le lire dans Deutéronome chapitre 28. Hein. Vous avez la bénédiction et puis vous avez la malédiction. Alors, il ne faut vraiment pas tomber dans la malédiction. Parce que ça, c'est chose qui concerne le diable. Celui-là, il est maudit. Vous dites, mes frères, mais frère, vous n'avez jamais bien lu les Saintes Écritures. Vous me suivez? Amen. Dans les jardins d'Éden. Vous savez, quand on a posé la question à la femme, qu'est-ce que ça dit? Mais c'est les serpents. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit qu'il est serpent. Il a maudit les serpents. Tu mangeras tous les jours la terre d'Amérique. Il est maudit. Donc vous ne devez pas être de son côté. Parce que la malédiction, c'est que vous vous placez de son côté. Est-ce que vous comprenez? Je termine par là. Alors il dit, mais vous verrez par la malédiction et vous me trompez. La nation t'a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous avez entendu cela? Amen. Vous avez entendu? Amen. Dans ma maison. Il dit cela, il dit, mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi. C'est là que Dieu dit que Dieu te bénisse. Amen. C'est là que Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve. Fais-le et tu verras. Amen. Si Dieu le dit, il va tenir sa promesse. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et puis il continue. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes d'éternel. Donc, c'est-à-dire que quand tu commences une activité, une œuvre, tu seras béni. Hein? Donc, partout où tu vas mettre les champs, tout ça. C'est pour ça qu'on lui dit, vous pouvez mettre que je dis encore. Il dit ici, Deutéronome 28, regardez très bien pour que nous puissions continuer à voir cela par rapport à la bénédiction dans Deutéronome chapitre 28. Et que nous comprenons cela aussi. Non, c'est qu'il nous y attirons. Deutéronome, voilà. Il dit ça, Seigneur. Voilà, 9, 28. Alors, 28, il nous dit une chose ici. Il dit, voilà. Comme il dit, mais si tu obéis donc à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tout ce commandement, je t'ai prescrit pour la dîme et les offrandes, vous comprenez? L'Éternel, ton Dieu, donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront donc ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel, non? Qu'on a lu là, non? Ton Dieu, alors il dit ceci, hein, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la ville et tu seras béni aussi dans les champs. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants. Vous comprenez, non? Et puis ici, le fruit de ton sol, donc tout ce que tu vas faire, le fruit de ton troupeau et porté de ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront donc bénies. Vous suivez? Après il dit, ta corbeille et ta huche seront donc bénies.
tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Mais quand tu ne payes pas ta dîme, tu ne donnes pas, tu dis, je prends l'avion, alléluia, Seigneur, pardon, bénis mon départ et mon arrivée. Mais comment veux-tu que bénis ton départ et ton arrivée, tu n'as pas mis ta parole de Dieu en pratique? Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, mais tu seras béni quand tu agis selon la parole de Dieu. Ah! Et puis nous continuons. Il dit, l'Éternel te donnera donc la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel, j'aime beaucoup ça. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Donc c'est pour ça que je dis, mais si tu veux commencer une activité, fais-le. Parce que le Seigneur sera avec toi. Et pour autant aussi que toi. Je suis avec vous, c'est comme vous êtes avec moi. On a dit, mais il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si tu as fait quitter l'Afrique, pour t'amener ici. Oh Seigneur, je ne comprends pas, mais la promesse est là. Si tu as fait quitter, il t'a mis ici. Peu importe ce qu'on a pris, les invités, tout ça, mais quand tu mets à genoux par terre, ton Dieu change. Il change le cœur et les lois pour toi et pour ta postérité. Il est fait. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Vous le dites avec moi, non? Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tu n'as pas à avoir peur. Dans les entreprises où tu vas, est-ce qu'on va m'embaucher? Est-ce que le patron sera gentil? Tu n'as pas à avoir peur des patrons parce que Dieu lui-même prend soin de toutes choses. C'est notre manque de foi. Alors nous continuons encore la lecture. On dit, mais l'Éternel te comblera de biens. C'est bon, non? En multipliant le fruit de tes entrailles. Est-ce que vous comprenez cela? En multipliant le fruit des entrailles. Donc, mon frère et ma soeur, Dieu aime bien les enfants. Et il aime beaucoup les enfants. Donc, c'est ça. Vous comprenez donc. C'est ce qu'il a même dit quand il a fait l'homme et la femme. Allez donc, vous comprenez. C'est une bénédiction. Hein. Les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel ton Dieu a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et jamais, jamais la queue. J'aime cela, c'est beau, hein? Il dit, tu seras toujours où? En haut, en haut, en haut, en haut. Et vous voyez la place que Dieu vous donne? Toujours en haut. Et puis, tu ne seras jamais en bas. Si tu obéis simplement. C'est pour ça que je dis, mais obéissons simplement et nous pouvons être en paix. Nous aurons des combats, mais nous avons la victoire. Nous marchons parce qu'il a promis. Et puis il dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras aussi en pratique, et que tu ne te donneras ni à droite ni à gauche, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Maintenant, ça c'est la bénédiction. Comme on a vu aussi la malédiction. Alors maintenant il dit ceci, ne vous fatiguez pas. Hein? Parce que Dieu veille aussi bien sur la bénédiction que sur la malédiction. Il veille bien, il a dit je veille. Hein? Il veille. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici donc toutes les malédictions qui viendront sur qui? Et qui seront quoi? Aïe, 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 aïe. Dis-toi ça, comment tu seras maudit, ça fait mal. Il s'est dit, Seigneur, je vais seulement être béni. Aie pitié de moi, parce que là, tu seras maudit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne veux pas être là. Personne ne veut être là. Nous voulons être de l'autre côté, parmi les bénis. Et c'est ce que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, de tout notre cœur, nous voulons vraiment te dire encore merci
Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci pour tes compassions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, car tu nous montres réellement aussi la voie que nous devons suivre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous as aussi montré qu'il y a toujours un jour particulier dans la vie d'un fils de Dieu, Père Saint-Dieu, dans la marche que nous sommes avec toi, Père Tibissant. Il n'y aura pas toujours des trains de tous les jours, Père Tibissant, mais il y aura un jour particulier, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il va marquer ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et tes fils et tes filles, mon roi. Oh, qui réalisons, Père Tibissant, que tu es toujours vivant, afin qu'ils prennent courage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour ta bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, oh Dieu, que ton nom soit glorifié pour ton amour que tu n'as jamais cessé de manifester en notre endroit, parce que tu es vraiment précieux pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens mon frère et soutiens ma soeur, mon bien-aimé Père. Et accorde-nous encore la grâce, mon bénémoine Père Tibissant, de pouvoir persévérer, à ne pas être découragé, mon bénémoine Père Tibissant, mais être fortifié, sachant que ce que tu nous as donné, mon bénémoine Père Tibissant, nous le possédons déjà, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous avons foi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, que certainement ta parole que tu as déclarée, elle s'accomplira, mon bénémoine Père Tibissant-Dieu. Mon frère vivra perdu en Dieu, ma soeur vivra perdu en Dieu, ton peuple, toi, bénémoine Père Dieu, oh, atteindra l'objectif, bénémoine Père Tibissant, pour lequel tu nous as appelé, Père. Oh Dieu, parce que ta main puissante nous garde, bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, soutiens mon frère et soutiens ma soeur, mon roi. Nous avons nos yeux fixés sur toi, mon Père. Que la paix leur soit accordée, bénémoine Père Tibissant. Que la foi, bénémoine Père Saint-Dieu, qu'en tout lieu qu'ils vont passer, mon bénémoine Père Tibissant, qu'ils n'aient pas la paix, bénémoine Père Saint-Dieu, parce que tu es vivant, mon bénémoine Père Tibissant. Dans chaque endroit, bénémoine Père Saint-Dieu, parce que tu es le Dieu qui prend soin du dessus de ton peuple, à toi, bénémoine Père Tibissant-Dieu. Je te remercie parce que tu es vivant et tu es présent et que tu le fais aussi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Bénis nos enfants, nos petits-enfants, bénémoine Père Saint-Dieu. Dieu qui chante ici en ces lieux. Oh, gloire à toi pour ce que tu fais, bien-aimé, Père Tibissant, Dieu. Pour chacun de mes bien-aimés qui a la tâche quelque part, en travaillant pour toi, mon bien-aimé, Père Tibissant, de tout son cœur, mon bien-aimé, Père. Louange et honneur à toi. Toi qui es le Dieu vivant, mon bien-aimé, Seigneur. À toi donc la gloire et la puissance, bien-aimé, Père Tibissant, pour ce que tu fais, Seigneur. Nous nous réjouissons de ta grande bonté et tes grandes compassions, mon Père. Loué soit ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu fais. Que tu nous pardonnes, mon bien-aimé, Père. Merci, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire. Garde ton peuple. Garde ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et soutiens chacun d'eux. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, 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 mon Père. Gloire à toi. Merci. Amen, amen, merci. Tu es Dieu, merci, mon Père Dieu. Tu fais de merveilles, tu accomplis encore. Et je te remercie, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Je te loue de tout mon cœur et je te rends grâce, mon bénémoine Père Dieu. Aide-nous à être obéissants à ta parole, mon Sauveur. Merci, merci, Sauveur. Oh Dieu très haut, merci. Merci, mon Père. Gloire à toi, honneur à toi et je te suis reconnaissant pour ce que tu fais, Seigneur. Conduis-nous encore davantage, que tu puisses agir et guérir encore ton peuple, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et que notre cœur soit aussi tourné vers toi, mon Père. Merci, Père. Bénis ton peuple, mon Sauveur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Merci pour ta paix. Merci pour tes compassions et ta consolation. Garde ce peuple qui est à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Je voudrais, mon grand, je voudrais que la chorale, s'il peut nous chanter ces cantiques. Merci, Seigneur, pour la puissance de Jésus-Christ. Elle est ici. Hein, si vous connaissez? Merci, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon grand. Merci.